vois un hélico se diriger vers le rendez-vous de Rob Byrne. Tu penses que c'est Rob Byrne? Attends, on dirait bien que c'est un hélicoptère de police. Qui d'autre pourrait bien s'offrir un hélico pareil dans cette ville? Pas grand monde. Et tu devrais y aller si tu veux les choper. Et te montre pas trop non plus, il y a les flics. Sur le plan de l'endroit, un vrai labyrinthe. Et c'est calme. Pas étonnant que Rob Byrne l'ait choisi. Si des gens s'y rendent en hélico, j'imagine qu'ils seront sur le toit. Trouve un moyen de monter.
sans déconner. Ouais, faut jamais faire confiance à un flic. Il est avec Rob Byrne. Je parie qu'il est trempé dans ce projet Icar. Je monte voir ce que je peux trouver sur Pope et Kate. Parlez maintenant. Et vite, parce que vos mains ont l'air toutes moites. Vous avez piégé Kate Connors, hein? La petite fliquette? Ouais. Pourquoi une flic, hein? La politique, c'est pas mon truc. Qui a tué Pope? Vous? Non! J'ai engagé quelqu'un. Qui? Un professionnel. Je l'ai rencontré demain, à 2h. À la triomphe du centre commercial. Tu les reconnaîtras. Et vos liens avec Miller? Si tu veux vraiment savoir tout ça, remonte-moi et je te le dirai. Fais gaffe, Pace. Pas d'embrouille ou vous plongez. Ok. Ok. Putain, merde, on m'a tiré. Rob Byrne est mort. Qu'est-ce que... Les flics vont bientôt s'amener, Pace. Tire-toi de là. J'avais vu juste au sujet de Rob Byrne. Je me demande qui est le professionnel qui l'a engagé. J'augmente ton signal, essaie de frayer un chemin. Les flics sont loin, fais quand même attention. La station Raidin Park a l'air fermée. Ils doivent faire des travaux. Yeah.
Merde, les flics arrivent dans le métro. Continue, Faith. Devant, ils veulent ta peau. Tiens-toi prêt. Thank you.
te capte. Ça ressemble à la chambre d'aération du métro. Essaie de couper les ventilos. Il doit y avoir des tunnels de maintenance derrière. À quoi tu penses? À un meurtre. Ah? Oui. Pope. J'ai trouvé une piste pour demain au centre commercial New Eden. J'irai y faire un tour. Hé, Faith, pourquoi tu fais ça? C'est pas nos affaires, nous... Je sais pas, on reste à l'écart. Quand j'étais gamine, je me rendais pas compte de ce qu'était cette ville. Mes parents, oui. Enfin, ils savaient qu'elle valait la peine d'être protégée. Pope connaissait mes parents. Les manifestations, les pressions. Il nous emmenait quelques mois. Mais je comprenais pas vraiment l'intérêt à l'époque. C'était un jeu. Merck m'a dit pour ta mère. Elle est morte dans les émeutes du centre-ville. Une manif qui a mal tourné. C'est rude. Après ça, on s'est quasiment perdu de vue. Mon père ne se l'est jamais pardonné et j'ai... quitter la maison peu après.
Sans lui avoir vraiment pardonné, non. Et t'as rencontré Merck ? Il m'a surprise, en train de le cambrioler. C'est vrai ? Il m'a jamais dit ça. Il m'a prise sous son aile. Je voulais sortir de la rue, alors j'ai dit oui. C'était l'occasion rêvée pour moi. Ouais, mais aujourd'hui, Faith, tu devrais arrêter de risquer ta vie comme ça. Ils ont piégé ma sœur, Céleste. Je peux pas rester sans rien faire. Je lui dois au moins ça. Je survivrai. Comme toujours. La survie, c'est un peu surfait. Tu devrais prendre le temps de vivre. Dis, tu viens avec moi demain ? Ça m'aiderait bien. Non, Drake a du boulot pour moi. Tant pis pour le shopping. Faith, je dois y aller. Vas-y. Je sens qu'on va pas tarder à nous tirer dessus. Ça ira. Faith ? Fais gaffe. Le centre commercial est droit devant toi. Juste une chose. Il paraît que Callaghan est en visite pour sa campagne électorale, pas très loin d'ici. Du coup, le quartier est complètement bouclé. Vers les voies 3 et 4. Rejoins vite cette passerelle avant qu'il te fasse la peau. Ça s'emballe. Les flics arrivent en nombre. Jusqu'au prochain escalier. Il doit y avoir une ruelle par là. On pourra remonter sur les toits après. La ruelle est juste là, tu vois ? Vas-y.
fonctionne sur les toits. Ça risque d'être physique.